Et c'est parti mon kiki, Coin Pusher Casino. Ah, ce jeu est trop bien, j'ai joué pas mal hors vidéo. Alors là, je vous raconte pas. Je ne vous raconte pas le même menu. On va aller s'acheter des percs. Regardez, je suis monté à 317 000. À 317 000 crédits. Trop bien, je suis au niveau 15 en classique et 13 en zen. On va aller au perk shop. Alors j'ai vraiment envie d'acheter celui-ci qui coûte 150 000 crédits. Pourquoi? Parce que je vais gagner encore 0, un dixième de seconde en plus pour dromper les jetons. Allez, on l'achète, les amis. On se fait plaisir. Ça sert pas quelque chose. Autoplay, je fais pas. Ça, c'est combien? 65 000 crédits pour la chance. C'est le stop level. Ah, 25 000? Oh, ben, je vais l'acheter. C'est pas trop cher par rapport aux autres. Allez, j'achète le stop level. Qu'est-ce qui nous reste ici? Là, il y a combien? Niveau 6? Ouais, c'est un peu cher. On suit à 2 millions et demi, laisse tomber. 55 000 pour faire les randoms. On va le faire plus tard. Est-ce qu'on prendrait la chance en plus? On se fait plaisir avec la chance. Ça augmente la chance de recevoir des items de bonus. Allez, on se prend la chance en plus. Allez, là, je suis bien redescendu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue le zen. Le zen, j'ai farmé ce niveau-ci au cas où, hein. J'ai farmé celui-ci qui m'a fait beaucoup, beaucoup de gagner de trucs. On est arrivé ici, au niveau zen 10, 13. Ou alors, on fait le menu classique. Classique, on est arrivé ben, ici au niveau 15. On essaierait le classique d'abord pour voir. Ça vous dit un petit classique 15? Allez. Parce qu'il y a des coffres, il y a des coffres au trésor. Ce serait intéressant de les gagner. Par contre, il y a des timers, ça va stresser. Allez, 4005. On compte notre chance. Ah oui, c'est un comme ça, d'accord. Attendez, j'ai pas fait ça. Hold. Et autocollect. C'est activé ou pas? Non, attendez, je me trompe. On. Je suppose qu'il est activé là. Quand c'est rouge, c'est activé. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps là, les amis. J'ai perdu du temps à chipoter mes réglages. Oui, oh, il y a une petite clé là. Il y a des jetons de 1000 aussi ici. Là aussi, il y a des jetons de 1000. Oh, les jetons tombent très vite maintenant. On va essayer de faire un skill stop au bon moment. Attention. Boum! Ah, ça n'a pas marché. Essaye. Non, ça marche pas. C'est pas évident le skill stop sur celui-ci. Par contre, on a plus beaucoup de temps là. On va réessayer une fois. C'est un petit peu mieux. Il va être temps que ça tombe, les amis. Ouais, ça tombe, les jetons de nuit sont tombés. On va voir si on peut pousser un peu. Ah, pas grand chose. Beaucoup de jetons. Tombé. Ils veulent pas. On continue à pousser. Attention, j'ai plus beaucoup de jetons, les amis. Tombé. Ah, ça pousse. Oui! Ça, c'est bien. Vous avez vu, j'ai récupéré un coffre. Récupérer un coffre, les amis, ça c'est très bien. On n'a plus de jetons là. Voilà, tomber, 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 pousser, pousser. Plus 4 jetons. Tomber. Ils veulent pas tomber. Et encore, faut que je récupère des jetons maintenant. Ça pousse. Ah, c'est presque tombé, la pile là. Ah, elle n'est pas tombée! On l'a poussée. Voilà! Ça va pousser le truc. Ça va me débloquer, voilà. C'est temps, hein, j'ai plus beaucoup de temps par contre. Le temps est contre nous. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec le temps?
Le skill stop ne fonctionne pas bien ici. Plus de jetons. C'est dur, hein, j'ai plus de jetons. On commence à récupérer un petit peu. Ça marche pas. Mais tout ce qui me reste, on a le en plus de 20 secondes, là, c'est ça? Allez, poussez, s'il vous plaît. Bouge plus, hein. Perdant, là. Peut-être ça va aider. On va se bouger encore un petit peu. Il est dur, ce niveau, hein. Le skill stop ne sert pas à grand chose, je vous le dis. J'aurais peut-être dû attaquer que d'un côté au lieu de faire tout des côtés en même temps. Regardez, j'ai plus de pièces et je perds le temps. Si je finis, c'est mort. Je suis perdant. Hein. Pas envie d'utiliser les pièces. Non, ça marche pas. Plus de pièces. Oh là là, presque mort. 4 secondes, 3 secondes. Ah, le coffre qui descend. On récupère des secondes au dernier moment. On a récupéré des secondes bonus. C'est incroyable. Oh, j'ai perdu. J'ai perdu 4500, mais j'ai gagné un coffre. Ah, je perds que 2000 finalement. On se le retente. Ouais, ça m'a coûté cher. Je le retente quand même. Et je vais attaquer que d'un côté d'abord. Qu'est-ce que j'attaque, le côté gauche ou droite? Ah, je vais acheter le côté gauche. Je vais me concentrer sur un seul côté. On va voir si ça va marcher mieux là. Parce que là, j'ai fait toute la ligne. Hein. Maintenant, j'ai changé ma technique. Pas encore tombé. On commence à tomber. Oui, ça tombe. Très bien. Un peu plus vite que tout à l'heure. Hein. Oui, c'est bien. Eh bien, go! Eh bien, on récupère déjà des trucs ici. Je tombe 1000 là à gauche aussi. Je crois que c'est la bonne technique, attaquer d'un niveau. D'un côté, pardon. Voilà! J'ai fait l'erreur de faire toute la ligne tout à l'heure. Là, je me concentre à gauche pour le début. Ah, il y a des jetons de 1000 qui sont prêts à tomber là. Oui, c'est bien! Skill stop. Encore je tombe 1000. On est gagnant. Vous avez vu la différence de technique? J'ai fait une mauvaise technique tout à l'heure. J'ai cru que j'étais assez puissant, mais j'ai pas assez de jetons. On va commencer à attaquer ici. Maintenant. En continuant là-bas, bien sûr. Maintenant, on peut faire la ligne peut-être. Non, j'ai quand même pas beaucoup de jetons. Hein. Faire le skill stop. Faire le skill stop. La pile ne veut pas tomber. Là, on lit, mais elle ne veut pas. Elle veut pas tomber. On peut entrer ici. Beaucoup de pièces. Oui, on a récupéré un coffre. La clé va tomber aussi, là, si tout va bien. On a récupéré des jetons. Et des bonus time. Allez, go, go, go. Eh bien, oui, c'est très bien. Là, ça va bientôt tomber. Alors, je me suis trompé.
Voilà, c'est bien. Ah, pour pas que la clé et les mines tombent dans les trous là. Dans les gouttières, pardon. C'est bon. Tac. Oui, on s'est projeté le coffre. On a récupéré les deux coffres. Deux coffres et une clé déjà. On attaque à droite. Tac. Tac. Il n'a pas tombé. Des jetons de 200, hein, c'est bien aussi. Oui! Sur moi! Il n'y a pas des plaques là, des plaques argentées au milieu là. Pas mal du tout ça. Attention. Ah, oui, c'est bien, toutes les plaques sont tombées, les amis. On va attaquer ici. Bien. Attention. Faire attention quand même. On attaque à droite maintenant. À gauche, on a eu beaucoup les gros bonus. On n'a plus beaucoup de temps. Il stop raté. Ça pousse bien, ça pousse bien. Qui stop? Ça a foiré. Qui stop? Foiré. Pousser ici. Beaucoup de jetons, ouais, on récupère, c'est bien. On pousse les plaques argentées. Les petits jetons de mille à droite aussi ici. Ouh là là, si cette pile pouvait tomber. Ah, le skill stop est un peu mieux. Ouh, on a fait récupérer encore un stock. On est en gain, un bon gain. Hein. On récupère notre paire de tout à l'heure. Contre le timer, attention. Les plaques avancent bien. Toujours ici. Parfait. Hop. Ça va repousser. Go. On est bien, on est gagnant de 8000. On récupère nos 4000 qu'on a perdu tout à l'heure. On est à 9000 de gains. Alors on a des jetons, on peut y aller, on fonce. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse toute la ligne maintenant. À gauche, il y a encore des 500 ici. Là, il y a encore une plaque argentée au milieu. Oh, c'était trop bien. Par rapport à tout à l'heure, vu la technique, faut attaquer d'un côté au début, et ensuite on s'étend. Nous, on est mort. Comme j'étais la première fois. On est grand gagnant, on est à presque 14 000 de gains. On a eu la plaque argentée. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a un 500 là-bas, une pile de 50 là. Je pense que c'est tout ce qui reste. Je pense pas qu'on va les débloquer. Ça ne veut pas bouger. Hein. Crois qu'on va en rester là. On va en rester là, les amis. C'est pas mal du tout. C'est bien refait là. On va prendre notre paiement. C'est parti, mon kiki. On encaisse. On a trois bonus en objet, deux coffres et une clé. Qui fait des billets de banque aussi. On a 13 000, ce qui nous mène à... Là, c'est l'horloge. On a débloqué le niveau. Par contre, moi je vous propose de le refaire encore une fois. On va essayer de monter jusqu'à 100 000 avec ce niveau, ça vous botte. On va retenter notre chance. Je vais toujours attaquer par la gauche, comme on a fait tout à l'heure. En espérant que ça marche encore, hein, parce que c'est quand même une partie de chance. On va voir un petit skill stop pour voir si ça marche. Oui, ça a marché. On commence à continuer à pousser les pièces de 1000.
Non. Disque stop. Ah, ça n'a pas poussé le carton. La caisse, le coffre, pardon. On va remettre ça, puis on va essayer encore la prochaine fois. Attention. Oui, ça a poussé tout seul. C'est bien. Continue à pousser les pièces. Faut que ça avance. Faut pas que les mines tombent dans la gouttière, malheureusement. Mis la clé. On va continuer à pousser ici. On met la pression. On y croit. Ah, il y a des mines qui tombent. Faut pousser là, faut pousser là. Voici un skill stop. Non, ça n'a pas marché. Par contre, le coffre a bougé un petit peu. La pile est jaune est prête à tomber. Il y a beaucoup de jetons, les amis, attention. Go! Ah, il n'a pas voulu. Ah, les piles sont tombées dans le mauvais sens. Les piles de jetons là. Skill stop. C'est bon. C'est pas top top. Skill stop. Ah, la pile a bougé. La pile est débloquée. Ça, c'est bien parce que c'était lourd. Ça faisait du poids, ça bloquait le côté. On est chaud quand même, hein, c'est chaud, hein. Ça débloque, les amis, ça débloque. On n'a pas beaucoup de pièces, on espère que ça va fonctionner. Kill stop. Pas top, mais ça bouge. On va rester en stratégie maintenant. La clé! On vise, on vise. Kill stop. Ouais. Ça n'a pas marché trop. J'ai plus de deux pièces après. Stop. Beaucoup de temps. J'ai plus de deux jetons. Et le timer là, c'est presque mort. On est mal, hein, on est mal. Tantôt aussi, on a eu un petit passage à vide. Ah, c'est mal, c'est mal foutu. J'ai dû gaspiller des pièces. Non, c'est mort, regardez 7 secondes. Je suis perdant. Pas de beaucoup, mais je suis perdant. Voilà, c'est mort. Ouais, c'est pas évident, hein. J'ai quand même récupéré une clé, ça me récupère un bonus. Suis perdant 3000. C'est quand même beaucoup, hein. Pas bien récupéré là. Donc ce que je vais faire, je vais réessayer. Je vais la réessayer par la droite. Allez, on retente une fois. On va l'attaquer par la droite, voir si c'est mieux ou pas. Je pense que c'était mieux à gauche, mais bon. Alors, on va faire des expériences scientifiques ici. Bondit sur les trucs jaunes là, dur de viser comme il faut. Ouf, la clé est tombée toute seule. Pas fait de skill stop. Skill stop. Ouais. Bien poussé. On va viser un peu mieux que tout à l'heure. On va essayer un skill stop la prochaine fois. Ah, elles ont bougé les piles, mais ne sont pas tombées. Oui, le coffre! Coffre argenté. Attention, on pousse. C'est bien. On continue de pousser à droite, bien sûr, parce qu'il nous faut récupérer des jetons. C'est le côté le plus avancé. C'est peut-être la bonne solution par la droite finalement. Regardez. C'est la bonne solution, j'ai l'impression. Il y a plus de piles de jetons que de l'autre côté. Hein. On est bien là. Par contre, les mines vont tomber dans les gouttières. Je sais ce qu'il stoppe la prochaine fois. Ça va marcher. Attention, j'arrive au bout de mes jetons. On va le jeton de réserve maintenant. On a récupéré 1000 encore. Il y a une clé argentée là qui va prête à tomber. Si. On l'a eu.
On va commencer à remonter vers le haut. On va redécaler un petit peu ici. Et on va essayer un skill stop la prochaine fois. Go. Ça n'a pas marché. Oh là. Un rouleau de papier. On continue à remonter. On a une plaque argentée au milieu. On va essayer de la faire descendre. On a quand même pas mal de jetons. On va commencer à attaquer le côté gauche également. Là, on est pas mal. Et là, il y a encore un jeton de mine. Là. Attendez, on va le faire tomber. Voilà. On va attaquer le côté gauche avec les trucs. Et là aussi, les plaques argentées du milieu. On tente notre chance ici, les amis. C'est le moment que ça va se jouer, le moment de vérité. Attention, on va essayer un skill stop. Go. C'est pas mal celui-là. Beaucoup de jetons, attention. Skill stop. C'est pas mal non plus. C'est pas mal du tout. On est gagnant, on n'est plus perdant. Déjà, c'est déjà très très bien. Attention. Skill stop. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Oh, le coffre avion au milieu, c'est très très bien ça. Pas qu'il tombe dans les gouttières. Mais il aurait dû de tomber dans les gouttières, vous me direz. Hein. C'est un peu gros quand même. Hein. Attention, on va essayer de faire un skip stop. Go! Elle n'a pas marché. On va faire les pièces alors. On n'a plus des masses de pièces hein, quand même, attention. On n'a plus que 17 pièces. Ouh, la belle descente. Ça débloque toutes les pièces de mine, il y a une clé en or. Et le coffre aussi, il faut le viser à gauche quand même. J'ai plus beaucoup de jetons. Tac. Ils sont pas tombés au bon endroit. Attention, c'est les derniers jetons. Oh. Oh. Pas mal du tout, pas mal du tout. Attention, parce qu'on n'avait plus beaucoup de jetons, là on a récupéré un petit peu. Donc on peut remettre un peu la pression. La pression à gauche, ici il y a des 1000, des 500, le coffre on l'a eu. Parfait. On continue à gauche la pression pour la clé. Il y a les piles de 500, faut pas oublier les argentés au milieu. Donc continue à pousser ici s'il vous plaît. Ça tombe dans les gouttières malheureusement. Bon, ça avance. Voici un ski stop. Go! Ah, pas au bon endroit. Il faut la clé en or. Et en même temps, on va essayer les plaques argentées au milieu. On a eu la clé. On a eu la clé, les amis, c'est trop bien. Attention, on n'a plus beaucoup de temps. Faut que j'accélère avec mes jetons. Plus beaucoup de temps. Ah, il faut y aller au milieu, là, maintenant. Il faut y aller au milieu. Les plaques argentées. Oui, on a récupéré pas mal de jetons, mais on n'a plus de temps. Plus que 4 fois les bimontes. Ah, j'aurais jamais le temps. Ah, il y a des jetons de mine là, à gauche. Oui, il y avait encore des jetons de mine. Est-ce qu'on peut récupérer des bonus time? Je pense pas. Ils sont coincés là, les autres. Tellement que j'ai tiré des pièces, ils sont coincés. C'est bien, on a récupéré encore une plaque argentée. On a 13 000 de gains. On va pousser la dernière plaque là. On a plein de jetons, on peut y aller, on peut y aller. Je me disais qu'à un moment on n'avait plus de jetons là. Ça en est bien sorti quand même. Allez, une plaque argentée pour on attaquera les plaques de 500 à gauche et on va essayer du moins. Encore un petit peu elle va venir, je vais peut-être faire un skill stop. Non, ça n'a pas marché. J'ai quand même la plaque argentée, on va essayer à gauche les plaques de 500. Parce qu'elles vont tomber dans la gouttière. Ah ouais, elles sont poussées dans la gouttière malheureusement. On va essayer de survivre. On va peut-être en gagner quelques-unes quand même. Il y en a certaines qui sont tombées dans la gouttière. Il y en a une ou deux qui pourront peut-être nous réussir. Je pense que celle au bout, on peut la voir. C'est un skill stop encore. Il y a trop de pièces. Hein.
Ça bouge pas, tombe dans la gouttière. Hein. C'est vraiment coincé à gauche, ouais. Ah, c'est encore tombé dans la gouttière. Allez, 500, ça vaut la peine de faire le taf. Donc on a pris beaucoup de temps. Ça allait bouger, elle a bougé. Oui, ça pousse. Ça pousse, ma pousse. C'est bien, on l'a. Oui, on l'a eu! On s'est bien battu. L'autre, elle est un petit peu coincée, je pense pas qu'on l'aura. Quoique, on peut essayer. On y croit jusqu'au bout, elle avance. Je pense qu'elle a passé l'étape de la gouttière. Oui. Si on continue à bien pousser, on va l'avoir là, 500 qui reste. Ça vaut la peine, 500. Allez, hop. Ouais. Des pouces, pouces, pouces. Pousse, ma pousse. Ah, elle ne bouge plus. Qu'est-ce que vous pensez? On continue à se battre ou... Ouais, ça vaut, regardez, il a bougé. Je retire ce que j'ai dit, on va se battre jusqu'au bout. Ça nous fait de l'entraînement en même temps. Il y a moyen, on y croit. Allez, la 500. Faut que cette pile, elle ne tombe pas dans la gouttière et qu'elle pousse, la 500, ça serait bien. Et la pile ici, il faudrait qu'elle pousse. Elle y arrive petit à petit. On va essayer un skill stop. Pas marché, mais ça a poussé un peu. On a passé l'étape de la gouttière. Maintenant, il faut juste la pousser dans le coin. On y est presque. Vous avez vu, elle commence à arriver dans le vide. On y croit, on y croit. On n'a plus beaucoup de temps non plus. Ah là 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 là. Oui, mon Dieu, on se bat jusqu'au bout. 15 940. Allez, on récupère notre stuff. On a gagné 4 objets ici. Les deux coffres et les trucs. Ah ouais. Parce qu'on mérite d'aller voir si on peut ouvrir quelques coffres. Ça vous botte? Allez, on se dépêche. Profit de 15 940 et 4 objets. On va aller au menu principal. Au spécial. Alors, on a combien de coffres? Oh, 5 coffres en or. Et 3 en argent, c'est ça? Je vais ouvrir un coffre en or d'abord. J'ai combien de... Oh, j'ai 19 clés! Allez, on va en ouvrir 2 coffres. Suspense. Oh! C'est la troisième fois, j'ai ouvert 5 coffres et c'est le troisième qui est vide. Allez, on essaye encore une fois. Attends, j'ai augmenté mes bonus de chance, hein. Oh là là, c'est horrible. Je suis têtu, hein. J'avais dit que je n'ouvrirais pas plus, mais je veux un gain dans l'or. Vous avez vu l'horreur? 3 fois de suite. On insiste quand même? Je crois qu'on a une mauvaise passe là. Tant pis. Je veux gagner au moins une fois. Oh! Oh là là, mais ça paye énorme! Regardez ça! Oh! Alors on va essayer une silver. On les a jamais fait les silver. J'ai des clés, oui, j'ai des clés. Okay. On va ouvrir les 3 silver. Bon, on s'est fait niquer. Une autre silver. Ouvrir 10 chests. Tu vois. 10 000, là, ça paye bien quand même la silver. Je vais rester sur mon succès. Je veux rester sur mon succès. On va peut-être aller au coin shop. On va racheter des pièces, des sortes de pièces. Je vais acheter le dollar. On va acheter la pièce du dollar américain. Ah, j'ai envie d'acheter la pièce d'or. C'est cher. Il y a d'autres. Le franc français, bien sûr. On va acheter le franc français. Il n'y a pas le franc belge, malheureusement. Ça m'aurait fait plaisir. Au petit pays. Hein. Yen, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas ce que c'est. Ça non plus. Hong Kong dollar m'intéresse pas. Deutsche Mark. Canadian Quarter, pourquoi pas. Ah, il est joli. Ouais, on va l'acheter, tiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, celui-là, c'est le joli tri. Mais il coûte 10 000 quand même. Ah ouais. Il s'emmerde pas quand même, hein. J'ai envie d'acheter la pièce en or. Ah, ça, c'est le truc anglais.
Pence avec la reine Elisabeth. Elisabeth. Ah, la pièce d'or m'intéresse. Mais un truc que je comprends pas. Il m'a que Iris. Là, c'est Hollande. C'est une pièce hollandaise. Là, c'est Regina, ça veut dire la reine. La reine de Hollande, ça? Mais pourquoi il est marqué IRS? C'est pas l'Irlande, non? IRS, IRS. Ah, c'est. Ah oui, c'est le symbole de. C'est pas l'Irlande? Oh, la Hollande. La Hollande, c'est une colonne. L'Irlande serait une colonie hollandaise? Je sais pas. Je prends rien. 25 000, c'est cher, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est cher, moi. Ouais. On va pas l'acheter pour le moment. Voilà le menu principal. Donc, on est arrivé au classique. On a fini le 15. La prochaine fois, on tentera celui-ci. Il nous coûtera 5 555. Et il y aura de tout. Il y a des plaques en or, il y a des clés. Ouais, mais ça c'est stressant. Je crois que la prochaine fois, je vais plutôt faire un zen, là. On va faire un zen. Celui-là, je l'avais fermé, donc, comme j'avais dit. On essaiera le zen 13. Je l'avais fait, ça, mais je l'avais pas gagné. C'est que la boule de disco. Je l'avais pas gagné. Ah mince. Avec la boule de discothèque. Il n'y en a pas une autre avec une boule de discothèque? Non. Donc j'avais perdu. Regardez, maintenant j'ai acheté des autres trucs. On pourra essayer les autres monnaies la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Et à la prochaine. Ciao, ciao. C'était cool, hein?